Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout fonctionne bien? Ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de stream sur cette chaîne. Très heureux de vous retrouver pour ce premier match d'R6 de l'équipe UDEM XETS. Sachant que, voilà, comme vous le savez, la saison dernière, il n'y avait pas eu de... Il n'y avait pas eu de Rainbow Six, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs pour former une équipe, Et donc, on a décidé de s'allier avec l'ETS pour pouvoir avoir un roster complet. Très, très heureux. Très, très heureux. Vous savez que je vous en ai déjà parlé. Ça me tient à cœur, Rainbow Six, c'est un de mes jeux préférés. Et donc, je suis très, très content. Très, très, très content de pouvoir stream du Rainbow Six pour vous. Bon. Alors, tout d'abord, cette scène, vous demandez peut-être ce que c'est à droite et à gauche là. Tout simplement, c'est des images de remplacement parce que la scène n'était pas prête pour une cam solo. Voilà, je me dois d'être honnête. Mais vous pouvez reconnaître évidemment les champions de Major BDS juste ici, qui n'ont pas gagné le Six Invitational malheureusement, et qui n'ont pas gagné non plus le dernier Major vu qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et. Ça s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines. C'est Vitality qui a gagné le Major sur CS, même si on n'est pas sur un stream de CS. Je me devais de mettre une petite référence à ça. Très très heureux de voir nos deux petits Français, ZywOo et Apex, soulever ce trophée, puisque voilà, on est fier de sa patrie. On est fier du petit drapeau français. Ce magnifique maillot UDEM. Et voilà, très 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 heureux de pouvoir enfin stream du R6 sur cette chaîne, ça faisait longtemps, très content. Et je vais tout de suite faire une petite chose, voilà. Donc sachez que ce soir en plus ce n'est pas moi qui observe, mais ce sera bel et bien Platz, le coach de l'équipe, qui va pouvoir faire l'observateur de la game. Et ça... Ça n'a pas de prix, croyez-moi, c'est très très dur de faire l'observateur et de streamer en même temps, et de parler en même temps, de commenter en même temps. Donc très très content que Platz ait accepté de faire l'observateur, merci à lui vraiment. Surtout que ça s'est fait un petit peu dernière minute, donc s'il y a des petits problèmes sur la scène, on réglera ça en cours de route. Voilà, donc pareil pour le chat, 3 minutes de délai, c'est la règle. C'est la règle, c'est la règle. Et je viens peut-être de parler dans le vide. Ça marche-tu ou pas? C'est cassé, non? J'ai tout cassé? Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai rien cassé en fait. Et donc voilà, donc pour les maps, nous aurons en premier lieu. Chalet, qui va être la map de nos adversaires du jour, ils sont Fanshawe Fuel, j'espère que je prononce bien, qui sont une équipe d'Ontario, donc voilà, évidemment une équipe aussi canadienne. Ensuite, nous irons sur Oregon, donc Chalet étant la map de nos adversaires et Oregon notre map. Voilà, donc très 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 bien. Et pour finir, s'il y a 6 décideurs, il y a, eh bien, ça sera tout simplement sur Border, pardon. Excusez-moi, j'ai du son dans les oreilles. Ça parle dans le lobby du jeu. Donc Border en Decider Map, puisque c'est la dernière map qui restait. Ce sont des maps, franchement. Ce sont des maps qui sont assez classiques. On n'est pas parti dans des maps qui sont un peu dans les dernières ajoutées au map pool. Je parle des Villas, Theme Park, Skyscraper. On est vraiment sur des maps année 1. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous meubler d'autre puisque le match va bientôt commencer? Oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est. Ils jouent vraiment, notre équipe joue pas ensemble depuis très longtemps. Je vais vous demander d'être indulgent. Je vais vous demander d'être indulgent.
pour tout ce qui pourrait être problème de synchro, problème de revenge kill, tout ça. Pour les gens qui sont un peu connaisseurs de jeu, je pense qu'il y en a dans le chat qui sont un peu connaisseurs du jeu. Donc voilà, vous inquiétez pas, l'été va être long. Je pense qu'on n'aura pas la même équipe en août et en. On n'aura pas la même équipe en août et la même équipe ce soir. Mais voilà. On va être à fond dans tous les matchs. Plats, what the fuck? Oui, bah oui, Plats, c'est déjà celui qui me fait l'honneur de me caster la game et qui en plus est coach de cette équipe. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors attendez 2 petites secondes. Voilà. Donc Platz qui me demandait que je l'unmute pour qu'il m'entende, pour qu'il puisse se coordonner à ce que je dis sur la game, évidemment. Et je pense que la game va être partie, mesdames et messieurs. On va être parti pour ce premier match. Pour ce premier match, on est parti. Je vous mets la scène tout de suite. C'est qui part? On va commencer ce premier match. Attendez 2 petites secondes que je vous mette le son du jeu. Voilà. Et on est parti. Donc, sur ce ban opérateur, sur la première map qui est donc Chalet. Alors, le premier ban va évidemment à Fans of Fuel, sachant que, voilà, ils ont évidemment choisi la défense. C'est bien logique. Donc ils ont décidé de ban Thatcher, un ban totalement logique évidemment, classique. Et on aura le ban classique Thermite Thatcher qui va faire que l'ouverture du garage notamment va être très compliquée. Pour les néophytes du chat, j'essaierai quand même d'expliquer un peu ce qui se passe. Donc Thatcher Thermite, le classique duo un petit peu du jeu qui va tout simplement pouvoir ouvrir un peu tous les murs en désactivant tous les gadgets qui peuvent empêcher ces ouvertures. On aura en défense le ban de Kaïd et de Mira. Donc des bans somme toute quand même très 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 classiques. Hein, on n'est pas parti sur quelque chose d'extravagant. Mais voilà, c'est une map de début de saison. On va dire c'est un peu pour se chauffer. Et je pense qu'on aura des choses un peu plus élaborées tout au long de la saison. Donc, une composition avec Yuki qui prend Sado Kaibi, Ashe, Ace, Nomad, Zofia. Très très agressif quand même. Ashe, Zofia, le duo un peu d'opener du jeu. Numérique, c'est un jeu qui va venir tomber.
très agressif dans la librairie. Il faut qu'on soit très très prudent. Attention à elle aussi, hein, qui est un peu plus... De l'autre côté, justement, elle est... quand même prendre un kill. On a un joueur et un joueur. On va avoir le joueur en bas qui va faire un kill. L'avantage, c'est qu'on a l'info. Je pense pas qu'on va être en capacité de revive Sauce, ou en tout cas, on n'a pas l'air d'en avoir l'intention du côté de YouTube. Cependant, très 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 dévastateur. De la part de nos joueurs. Mais bon, c'est un premier round, il faut se chauffer, il faut se mettre dedans. C'est loin d'être grave. Surtout que le round était quand même bien engagé, c'était quand même un round serré. S'il n'y avait pas eu cette petite erreur de Frost, je pense qu'on aurait clairement pu le faire. Il y avait mine de rien une position préférentielle. Puisqu'il y avait deux joueurs isolés, donc ils pouvaient, c'était un peu la configuration parfaite pour faire ce clutch. Mais malheureusement, il se prendra ce Frost au dernier pas pour entrer. Et on va voir les joueurs canadiens qui vont... garage malgré le Ace va peut-être de l'autre côté Kavavin justement. On va voir ça de la part de nos joueurs, mais c'est sûr que d'avoir un roaming très agressif, donc il faudra essayer de pas être trop. On a quand même un là et ça vient couper. On a deux qui essayent, je pense, de repartir un peu pour justement pas se faire tuer. Et puis finalement il pensait pas que cette ligne était possible. Hop, qui va faire un premier kill. Dommage, le roaming était un petit peu late. Probablement que les deux joueurs sont Kavavin. On n'entend pas les Kavavin.
on m'entend pas assez. C'est deux choses. Si on m'entend pas, ça va être un problème. Ça veut dire que je parle dans le vent depuis. Ah, d'accord. Ok. Le son du jeu est très fort. Je vais encore le baisser. Excusez-moi, hein, c'est le premier de la saison. Faut faire des petits ajustements encore. Donc, pas eu le temps de trop gérer le son. Beaucoup de choses à faire. Mais je vais essayer de. Je pense que comme ça, je pas, n'hésitez pas à me dire dans le chat. C'est bien. Après, ça fait 1-1 pour les joueurs de l'UDEM qui ont réussi à utiliser. Mais. Commencer à connaître. C'est toujours un peu compliqué de tout gérer en même temps. On espère bientôt. Notamment avec le local qui fait son bonhomme de pain. J'espère qu'on pourra incessamment sous peu. Et on est parti avec de nouveau cette attaque en bas. On a repris la cave à vin du côté des joueurs. Et on va faire exactement la même attaque du côté des joueurs de l'UDEM. Ensuite, après le running les plus efficaces, bah, tout simplement aller exact sur le site. Renault qui je pense ne va pas se faire avoir aussi facilement que le round précédent. Cette fois-ci, on aura quand même décidé de. Va tomber. Je ne sais pas si Sauce a l'info qu'il l'a mis à terre. De toute façon, il sera terminé. Je crois qu'on avait l'info. Et finalement, je disais que Brendo ne se ferait pas avoir aussi facilement qu'au round d'avant. Et bah, il a encore un peu donné son dos, malheureusement. C'est dommage. Deux fois de suite. Mais bon, ça fait les affaires des joueurs de l'UDEM et de l'ETS. Donc, ça fait plaisir. Et on va faire sonner ce roamer. Pour essayer de le faire un peu. Cette fois-ci, pour ça me va, on va aller l'attaquer de fou. Ça serait dommage quand même de perdre un deuxième joueur sur cet anti-roaming. On va essayer de la jouer tranquillement. Le but c'est de faire perdre du temps et c'est déjà une bonne chose de fait. Il reste quasiment plus qu'une minute en roaming. Ce qui est déjà une très bonne chose. Voilà, ça va revenir sur sa right. Et on va avoir une exec à 4v4. D'aller jouer un peu ce plancher, choper des kills. On aura quand même la clash qui va être très très embêtante de ce côté là. Il va falloir essayer de trouver un moyen de la déloger de cet escalier. Elle va être dans une position assez forte. La bloquer un petit peu. Apollo, attention, qui va être un des premiers joueurs à avoir des contacts dans le garage. Malheureusement, on n'arrivera pas pour la tuer. On est mis live là. Le premier kill, ça va partir. Sauce qui fait un double, très très beau double kill. Il y a un petit peu cloué le round là pour le jeu de l'UDEM. Très très bien joué, très très beau double kill. Et là, et finalement, c'est Yuki qui va gagner son duel dans le bleu de dos. Et ça va être 2-1 pour les joueurs de l'UDEM. Ils prennent l'avantage dans ce match après un premier round perdu assez tristement. Là, on vient montrer un peu qui c'est les patrons. Sachant que, ouais, comme je l'ai dit, ce premier round est perdu sur des petites erreurs. Mais là, quand tout se passe pour le mieux, on sent que l'UDEM est quand même solide sur les appuis, sur leurs exécutions.
Attention tout de même, parce que ça fait deux fois qu'on a un des roaming où on a un joueur qui fait une erreur. Pas les mêmes erreurs. Dedans, mais ça ne serait tardé, ça va arriver. Pour le temps de se développer, c'est un BO3, un mauvais map, après tout détruire sur la deuxième, absolument rien dire. On va voir totalement des choses inverses, ne serait-ce que dans le side de défense. Mais en tout cas là, pour l'instant on a deux joueurs qui mettent la cadence de chaque côté. C'est un peu un duel. On a une équipe qui va prendre, le contrôle de Solarium. Il n'aura qu'un petit peu. Extra Sick qui va déjà prendre un septième kill pour égaler ça. Très très fort ce joueur avec il est à l'aise avec Ça va être un duel avec Ace. Et ça va être lui qui va le remporter. Incroyable. Il va même faire un troisième kill. Triple kill de Estrasic. Oh là 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 là. Déjà 9 kills en 4 rounds. C'est assez phénoménal. On sent que vraiment le top. Je crois. Très très bien géré. Mais ça va quand même le faire tomber. Rappelle un petit peu qui c'est le patron, mine de rien. Hein, ah, pas non plus. Pas non plus se laisser faire, mais 4v2 4v2, situation assez compliquée. Il va falloir qu'on ait des exploits un petit peu individuels de Sauce. Je pense que Sauce a l'air d'être on s'échange quelques balles, mais aucun dégât ne sera infligé. Un petit peu d'action qu'il pourrait y avoir. Il s'attend à un retour dans ce niveau alors qu'il n'y aura personne, malheureusement. Il va perdre un petit peu de temps, il reste 10 secondes. Ça va être très très tendu. Très très tendu là. Si on l'avait eu, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. Malheureusement, ce round était très compliqué. Stracic qui clairement donne l'égalité à son équipe. Très très bon ce joueur. Déjà comme j'ai dit, 9 kills en 4 rounds, c'est assez beau. Et quand même une moyenne de plus de 2 kills par round. Alors que merci Place de nous montrer ce magnifique scoreboard. Donc on voit quand même une certaine domination de deux joueurs, sauf ce qui quand même est en. À 9-2 KD tout simplement en détente. Et on a deux joueurs qui sont un peu plus en difficulté des deux côtés. Mais comme je vous ai dit, on peut être parfois un peu plus en difficulté sur une map, voire sur un side, et après totalement se transcender. En tout cas, pour l'instant, c'est un match assez serré. 2-2. Je rappelle que. Le premier à 7 points. Sauf égalité, s'il y a égalité, nous partirons sur un over.
overtime. Gagnant. Et donc, on switch évidemment, vous l'aurez compris, après 6 rounds. Nous sommes sur 2 rounds d'attaque pour les joueurs de l'UDM et de l'ETS qui vont essayer de prendre l'avantage sur, sur ce side, sachant que un side d'attaque, on a déjà 3-3. Déjà un side d'attaque plus ou moins quand même sympathique, puisque on sait. En général, plus ou moins à la défense, même si ce n'est pas le cas pour toutes les équipes. Là, c'est peut-être un peu nouvelle, c'est un peu l'open frag. Et le premier round, il est pas sûr de décider de changer un petit peu. Et ça a l'air de lui réussir plutôt bien. Il prend cet entry kill. En pied B. Votre agent national. Un petit peu se déromis, sachant que voilà, on a décidé évidemment après ce round gagné en haut de ne pas reprendre cave à vin, puisqu'on a perdu 2-3, et on a décidé de partir plutôt sur la cuisine des duels. Excusez-moi, j'ai eu un moment d'agrément. Et sauce qui vient de regarder plus ou moins. Parce que il l'a dit. Et on va avoir ce mur qui va être ouvert sur le site. Ça c'est une très bonne nouvelle, avantage de numérique de 5-2. Une très bonne numérique qui est ouvert. Bon là c'est tout droit. Il suffit juste d'aller dégager. On va avoir ce qui est pris à la trappe. Attention! Est-ce qu'on va avoir un perfect de la part de l'UDEM? Kurza est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Ou est-ce que on va et offrir un perfect à l'UDEM? Ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Et non, il va tomber malheureusement face à Kurza. On va avoir l'info de là où il est. Et on va pouvoir rentrer et planter. Qui va essayer de faire le gros par en dessous. Attention, la hache dans le dos. On va se faire avoir bêtement. Est-ce qu'on l'attend? J'ai pas l'impression qu'on l'attend. Ah si, on l'attendait. Le thermite qui vient aller le chercher. Et ça va faire le troisième kill avec le petit tir sur le jukebox et le flick shot sur Furza. Et ça fait 3-2 pour les joueurs de l'UDEM. 3-2, comme je l'ai dit, si on est à un 4-2 en attaque, ça serait déjà une très très bonne chose. Une très très bonne chose pour les joueurs qui commenceraient avec un avantage non négligeable en défense. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Yuki qui reprend son bug, sinon on a la compétition classique des joueurs de l'UDEM. Genre de l'UDM et de l'ETS qui reste sur une composition assez standard. Donc, on a décidé de reprendre ce site en bas, de se donner une troisième chance. Peut-être en faisant quelques ajustements, essayant de trouver des solutions. Il faut un petit peu changer. On va toujours avoir ce rebut de deuxième équipe de la partie. Vous voyez ce nouveau gadget qui bloque. C'est intéressant de le faire aussi vite après la sortie de la scène. D'avoir été un petit peu travaillé pour pouvoir bloquer les entrées. On va voir du pouvoir piano. Il n'y a pas l'air d'avoir de joueur Mezzanine. Il
l'air d'être plutôt un bait, ce setup qui a été fait de ce jeu-là. Puisqu'on sait, on l'a vu deux fois, Brendo jouer cette position. Il va être dans l'office et va attendre depuis le début. On l'a repéré. On essaie de lui mettre des petits de loin. Majo qui a pris le contrôle de cette mezzanine. Il s'attend à avoir un point de venir en dessous. Mais il n'y aura personne. Ils sont pas très agressifs et donc Smajo peut faire son petit bonhomme de chemin tranquille en faisant ses. Pas de trop d'agressivité. Extracic qui a un peu l'air de me faire mentir et de remonter vers le Babylon. On va voir Massonde. Pose forcément très très mal puisque je prononce à la française, mais ça fait beaucoup rire. Alors attention, que sur les rounds précédents, il y a chercher les rompeurs et les tuer. J'ai décidé de faire un petit peu autre chose, de juste laisser un joueur pour pouvoir travailler. Ça peut être une marche, mais attention au retour. On peut aussi totalement se retourner contre eux et juste pas être à l'avant et en fait si on attaque un petit peu rapidement comme ils le font sur site là ça peut Brendo qui va faire un kill sur ce Majo. On a quand même toujours le garage qui est déjà ouvert. Man qui va jouer sa position habituelle et non qui va faire un kill, qui va refaire un kill. Otterman qui va venir prendre de son côté. Va rentrer, il va se faire découper puisqu'il avait à peu près 42 joueurs qui lui tiraient dessus. Et ça va être l'égalité à ce changement de site. On va passer sur la défense de l'UDEM. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier side? Que c'était pas mal. Ils ont quand même des joueurs très très bons individuellement du côté de Fanshawe Fuel. Excusez-moi, c'est la fin de la semaine. Hein. J'ai travaillé toute la semaine, j'ai un petit peu la langue qui fourche. Excusez-moi. Et donc oui, des très bonnes individualités. Sinon, au niveau des setups, c'est assez facile. Qui va aller jouer cette bibliothèque en névralgie. C'est absolument quasi impossible de faire une attaque sur ce bibliothèque. Et on va essayer de voir par où va être l'insertion des joueurs de Fanshawe. Pour l'instant, ça a l'air de se diriger vers une classique mur mezzanine. Ça joue les fenêtres, ça joue le jeu. Et bah, il en rappelle, dommage, il s'est un petit peu donné là. Je sais pas s'il avait essayé de le jouer ou s'il s'est juste fait couper. D'être fini. Un roamer dans cette ville. Je vous le dis, si elle est fini, c'est un véritable poison. On n'a pas l'air de s'en soucier, il a pris son petit plan de jeu tranquillement. J'ai l'impression que l'idée est d'aller jouer sur Fisters et de prendre ce solarium. En même temps que. Va donc empêcher la possibilité
de rentrer. Otterman qui va faire un kill mais qui va être directement revenge par le Strassic qui veillait au grain. On peut voir que Strassic qui a un qui réveille, ce qui est absolument magnifique. Totalement blanc qui va reculer dans cette le premier joueur qui va venir le jouer, il va prendre le kill, va directement dropper et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas entendu en plus, donc il est totalement fufu, il pourrait revenir dans le dos même de ce lion. Pour l'instant il n'a pas osé avancer, alors évidemment il n'a pas l'info, hein, c'est facile de le dire quand on a l'extrait, mais Sauce là qui est dans une position absolument... Il va falloir qu'il ose remonter. Surtout que le lion est totalement, totalement vulnérable pour l'instant. Tant que ce c'est invisible. Mais j'ai l'impression qu'il a été droné. Ouais, totalement repéré. Ce lion va totalement venir le jouer. Et c'est ce qui va se faire avoir, évidemment. N'attendez pas à avoir quelqu'un dans cette petite pièce, c'est bien joué. Et là, va falloir avoir les deux joueurs sur side. Faut que... Majo qui prend et on va voir qui va faire un premier kill avec sa balle et ça va être un premier round de défense perdu pour les joueurs de l'UDEM. Voilà. Évidemment de revenir un peu dans le dos mais malheureusement ça ne passera pas puisque on le connaît. Il n'allait pas lourd, notre bon maestro. Excusez-moi, petite pause, hydratation. Ça fait du bien. Et on est reparti. Avec donc une Frost sortie par les joueurs de l'UDEM. On aura quand même des petits ajustements, notamment ce bandit pour aider à montrer le plan de jeu de ces joueurs sur le show. Pardon, c'est leur fan show. On va voir l'adaptation on va refaire le plan de jeu. En tout cas, on a l'air de se diriger pour l'instant alors on a deux joueurs de ce côté-là. Totalement de l'autre côté. Et Yuki, très très agressif sur le début. On n'est pas payé sur le premier round, mais sur ce round-là, ça paye. On prend l'entre-kill. De toute façon, hein, c'est comme ça hein, quand on est agressif sur les couleurs. On se fait tuer en début de round. Et là, ça a l'air d'être passé en faveur de Yuki. Ça fait plaisir. Joueur très important, qui va se prendre une grenade. Il va tomber sur la deuxième. On a quand même réussi à faire consommer les deux grenades de Brendo. Après Yuki assez agressif, comme on a pu voir en drone. Totalement l'info, il va venir courir sur ce sol. Et qui va faire totalement revenge. On n'avait pas l'info par contre sur Otterman. Parade. On va avoir un duel et Brendo qui va monter face à Otterman la revenge. Et on va avoir les deux joueurs, Denis et Smajo. Va prendre ce premier kill à la fenêtre. Smajo qui va être agressif et qui va prendre son kill à la SMG. Et on passe d'un 3v2 à un 2v1. Ça fait plaisir. Brendo qui se retrouve un petit peu seul. Il va essayer de venir jouer tous les joueurs un par un. Denis qui va être le premier contre le directeur sur la caméra. Obligé un peu à reculer. Essayer de venir jouer la bridge, Majo au contact.
la tête, attirer un petit peu l'attention. Et ça fait 4-4. Et on recolle au score. Très très belle adaptation des joueurs de l'UdeM. On a compris comment les joueurs fonctionnaient du côté de Fanshawe. Et on a décidé de totalement les counter en notamment en jouant ce roaming au niveau du bar. Et non pas au niveau de la bibliothèque, puisqu'on a vu qu'il a délaissé totalement. Et ça fait plaisir de voir une belle adaptation comme ça. C'est bien joué. Attention tout de même aux petites erreurs d'agressivité. On a vu quand même qu'ils avaient fait un déroaming efficace. Heureusement que le joueur fight était très solide et qu'ils ont su renverser la situation. On a l'air d'avoir un match quand même très très serré. On n'a pas eu une seule fois une équipe qui a pris. Je sais pas si ça se passe pour coup. Donc on va voir si ces joueurs UdeM se débrouillent mieux que leurs adversaires sur ce site là. Sur le dernier round du premier side. Et on va surtout voir quel va être le plan de jeu envoyé par Fanshawe pour faire tomber cette défense. Défense très portée sur le Mugnai avec encore aussi le Bandit et le Mute. On a décidé de prendre une valse à la place du Maestro. C'est un peu plus versatile. Caméra sur la poubelle, pourquoi pas. Bon, apparemment, ma voix n'est pas très forte. Je trouve que c'est blanc. Légèrement comme ceci. Normalement, ça devrait être un peu. On dirait. Toujours avec. Malheureusement, 3 minutes de retard. Si vous me direz. Et on va voir. C'était une position très très cheesy. Malheureusement, on ne passera pas. Sauf qu'il y a une très belle ligne qui a pris de très très lourds dégâts. Déjà, Extra Six, je pense qu'il lui a infligé des dégâts par rapport à ce qu'il a fait. Mine de rien, ce trou là, faire attention. Le main escalier. Pour l'instant, aucun joueur. Thurman qui est toujours dans cette garde le main, mine de rien. On a un joueur qui a l'air de vouloir le jouer. Qui va être une drone? Ah oui, il va être une drone, c'est dommage qu'il tire dessus. C'est dommage, je pense qu'il aurait pas été repéré. Attention, ouais, on sait qu'il va être un peu plus de l'autre côté. De l'autre côté, qui fait un triple kill, qui est en train de totalement game. Ils vont planter. Un triple kill. Après cette plante. Alors deux joueurs de deux côtés. On prend un premier duel et puis il rentre la tête de peu. Et on reprend l'avantage côté Fanshawe. C'est dommage, hein. C'était bien parti ce round-là. On avait quand même réussi à faire perdre pas mal de temps. Mais ce déroaming qui a encore été une fois très efficace du côté des joueurs Fanshawe et qui leur permet de reprendre l'avantage. Et est-ce qu'on va reprendre encore une fois ce site en bas? Oui, on va le reprendre. On va essayer, comme fait sur le site en haut, de faire des adaptations. Tout en baissant peut-être un petit peu
bleu et des sacs. Un glace de sortie par Apollo et un montagne, donc quand même une compo assez original pour le coup, avec notamment une montagne qui a probablement une idée de push très précise en tête du côté de Apollo, et on sait qu'on va faire une montagne maintenant. Il faut l'appliquer. Ouais, ça va être une attaque garage, montagne en cover, enfin montagne qui plante avec le glace en cover, assez classique finalement. Et ouais, ça va être le but de faire beaucoup de rapide. Attention, et ouais, on s'attendait pas à ce que à ce qu'il y ait ce joueur. Attention à pas se donner quand même pour ce Majo. Il faut absolument pas jouer ce glace. Ça sert à rien de toute façon. Pour l'instant, on n'a pas fait l'effort d'ouvrir le garage en entier. On a juste fait une ligne pour ce glaze. On est en train d'utiliser un petit peu toutes les smokes. Alors, est-ce que le but c'est que le bouton revienne? En tout cas, Rotterman a décidé de pouvoir deny ce. Cette ouverture, ouais, le bateau qui retarde. Sauf qu'il fait une petite bande de glace. C'est ça peut venir, mais mine de rien, un montagne c'est pas facile à tuer. C'est un peu un poison. Dans ces cas-là, de toute façon, la meilleure chose à faire c'est. Au maximum et de prendre le joueur qui va. Malheureusement, c'est souvent plus facile à dire. Et Denis qui va faire un premier kill quand même, qui va ramener l'équilibre numérique, même si on n'aura pas un équilibre au niveau des points de vie, puisque Sauce et Otterman sont déjà bien amochés, tous les deux. Et ouais, Otterman qui se donne, je sais pas qu'il y avait un truc qui. On va voir avec ça, c'est quoi. Même truc d'habitude, mais qui va pas jouer. On va voir ce qui peut bien prendre ce kill. L'arrivée de la montagne qui va prendre quelques dégâts. Apollo qui tombe. Attention, on a la puissance de feu de notre côté pour l'UDEM. On va faire le kill. Et montagne qui est tout seul. Attention tout de même, Denis qui va prendre de lourds dégâts sur le montagne qui disait. Et on va voir ce qu'on va jouer. Montagne qui était en train de viser et encore une fois on revient à égalité, un match très très serré, alors que je vous le rappelle quand même, on est sur la map des adversaires, excusez-moi encore un petit peu. Donc que les joueurs de l'UDEM s'en sortent bien sur la map de leurs adversaires, c'est plutôt quelque chose de positif. Après, il faut aller quand même la chercher. On peut essayer d'aller chercher le 2-0 qui, je le rappelle, est Oregon. Map. Particulièrement. Comme Chalet d'ailleurs. Et ceux du chat qui ne me connaissent pas. Oui, je suis très bien. Puisque je suis pas dans mon pays. J'aime bien trigger avec. Et donc on est reparti. Sur le top. Mine de rien, petite adaptation. On a lâché le niveau. C'est un lésion. La métapiège, la fameuse métapiège japonaise, en plus avec la vie qui vient de sortir, je vous rappelle, est encore un piège. On va avoir donc le double coup de lésion frost. En plaçant une goumaine lésion à côté du
Mais t'as vu que pour faire le truc directement à la tête. L'agent était mis à terre. C'était la belle époque. Époque révolue. Le coup, c'est pour une force très agressive. Qui va être droné. Et qui va en fait avec Rashid. C'est peut-être pour ça qu'il bougeait plus. Ça me semblait bizarre quand même, Kali. Et ben ça va être un 4v5 gratuit pour les joueurs. Pour les joueurs Fanco, malheureusement. Terrible dommage. Puisque bah, quand même, le mec qui fait un peu la balle de match. Quand même pas de beau, pas de pro, pardon. Il faut cracher à ce moment-là. C'est quand même mieux sur celui-là que sur la balle de match, mais totalement pré-shot. Et là le château de cartes qui s'effondre. Un TK, c'est-à-dire peut-être un perfect, et bien non, ça ne sera pas un perfect. Le TK arrive. Joueur allongé en plein milieu de rien qui fera tomber Otterman. Il fait n'importe quoi avec sa souris. Voir la balle de match qui va être pour les joueurs Fanshow, mais on demande une pause. Une pause technique. Oui, tu peux poser le timer. Pose le timer, Platz, parce que bah, c'est une pause technique. Ils auraient même pas eu besoin de la demander, en soi. La pause tactique. Ils l'ont un peu utilisée pour rien. Oui, non, mais c'est bon. C'est juste que tu peux pas poser le timer du tactical timeout. Mais le timer en haut est bel et bien stoppé. Malheureusement, ils l'ont demandé pour rien, leur tactical timeout. J'ai juste besoin de demander. Et on demande si on va re-host dans le chat. Je sais pas si Yuki va avoir la possibilité de revenir. Et il est revenu. On va pouvoir reprendre sans faire un re-host. C'est tant mieux. Ça nous aurait fait perdre un petit peu de temps, tout ça. Tu peux reprendre effectivement oui, le timer. Et donc la balle de match pour les joueurs Fanshow. Balle de match. Yuki qui va prendre Castle, Solis, Warden. Une compo pour le coup très très originale pour jouer le Bar Gaming Room. On a décidé de changer un peu de tactique. Alors je dis original, évidemment, un castle pour jouer le bar, c'est un très bon choix, c'est le warden, puisque bah, souvent sur des stuffs que se fait l'exécution, c'est un très bon choix. On va voir du côté d'apprécier les Grim côté comme ça. C'est original, hein, on n'a pas l'habitude de le voir vraiment en game, que ce soit en ranked ou même au plus haut niveau en North American League et en European League. C'est dans les autres qui je ne pas. Non, en fait. Et je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais on a eu l'apparition une fois d'un Fenrir, mais finalement, ça n'a pas été repris depuis. Sauce qui a l'air de. Petit setup encore une fois sur la mezzanine et qui va payer Otterman qui était tombé. Sauce qui va prendre directement sa revenge.
l'air d'avoir un joueur en bas qui est un petit peu mais qui tient, qui fait Yuki, encore une fois, pourquoi je me demande qui est agressif en bas. Très bien. Encore une fois sur cette trappe, très bonne ligne, il va pouvoir avancer pour tout cette une petite tête. Et on va voir Brendo qui va être lui pour le coup la coupe de ce couloir avec son coéquipier dans l'escalier en tir croisé. Ah non, c'est Denis, pardon. Donc c'est un. C'est un méchant. C'est... Ils sont pas copains. S'ils se creusent, ils vont totalement se tirer dessus. Et Sauce qui tient encore une fois sa magazine, Yuki qui a un peu de dommage. Alors, on va voir son duel entre Masonnette et Yuki. Et finalement, Yuki qui combat le duel de Brendo, qui était de l'autre côté. Yuki très agressif. C'est un jeu qui va avoir fort à faire puisque ça va venir directement sur son site. Ah, je pense que c'était un bait pour repérer s'il y avait quelqu'un dans le couloir. Ojo qui va venir jouer ce. Alors, Denis quand même qui va faire son kill depuis la trappe. Sauce qui va tomber, mais Denis qui aura fait tomber un autre joueur. Et on va se rater un peu malheureusement pour Denis dans cet escalier. Et ça va être la victoire sur leur map, malheureusement. 7-5. Dommage. Petit raté sur cette dernière round. Ce qui fait que Fanchou gagne. On a été à un round de différence toute la game. Et finalement, ce sera eux qui vont s'imposer. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une petite pause. Probablement une petite pause. Je ne sais pas ce qu'il se dit. Est-ce que tu peux aller sur le match, s'il te plaît? On va probablement prendre un petit break de 5 minutes. Donc je vais vous mettre l'écran de pause. Et le temps qu'on vienne faire la petite pause et on revient dans quelques instants. Ne nous quittez pas pour la map de nos joueurs de l'UDEM et de l'ETS. C'est dans 5 minutes. À tout de suite.
Et rebonjour à tous. Oh là 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 là, j'arrive en plein milieu des bannes. Excusez-moi tout le monde, c'est reparti plus vite que ce que je me pensais. Donc, les bannes d'Okaibi, très bonne adaptation de la part de Fanshawe. Nock Caïd, des bannes assez originaux, notamment le ban de l'UDEM et de l'ETS qui ont ban Nock. Ban assez intéressant. Au demeurant, puisque bien c'est un agent qu'on n'a pas vu, vraiment vu sur la game d'avant, mais apparemment ils ont pas envie de jouer contre. Et Caïd Mira, beaucoup plus classique évidemment, notamment Caïd pour les trappes en bas et Mira aussi pour en bas, puisque le bleu enfin, il abuse un petit peu, ça attaque à mais. Reparti sur cette défense. Je rappelle que c'est la carte des joueurs de l'UTM. Mais que. Et donc, les joueurs Fanshawe ont décidé de commencer en défense. Un peu plus d'état, on va dire. Mais commencer en attaque pour. Que ça a plutôt réussi aux joueurs UDMTS, donc pourquoi pas. C'est pas vraiment un désavantage pour eux de commencer en attaque. Et donc, on va être initié par du monde. On va essayer de faire un déroming de l'UDMTS, j'ai bien l'impression. Avec l'apport de. Les différents opérateurs sont pas vraiment des joueurs de précédemment, notamment l'Aibana, le Flores. On l'a vu Oza sur le round précédent. Évidemment, Flores qui est très très utile pour des personnes qui tiendraient notamment le bleu. Extracy qui va faire un premier comportement. Et j'ai un problème avec son pseudo. Masonlet va venir en faire un deuxième. Commence pas très bien. Attention à Sick qui est là, ouais, qui avec sa Thunderbird et son pompe absolument dévastateur. Et de Fanshawe. Malheureusement pour nos joueurs UDEM et TS, on s'est fait absolument rouler dessus par ce roaming hyper agressif. Et surtout, ils s'attendaient à ce qu'on attaque par là. Et donc bah ça a payé. J'étais pas en fond d'écran, pardon. Excusez-moi, petit oubli de ma part. Donc Denis et qui me essaie de pouvoir peut-être aller chercher des kills. Eh ben ce sera pas du côté de Denis, je suis un peu tout seul. Et qui va se faire tuer au pont à une distance absolument honteuse. Bon, après j'ai une sorte de mort. Un premier round remporté par les joueurs Fanshawe. On reste sur quelque chose de plutôt logique, un site très très difficile à attaquer le top s'il est bien défendu en roaming comme ils l'ont fait. Et donc on va essayer de réitérer ça pour les joueurs Fanshawe sur le site Laundry Supply Room, donc le site encore une fois. Au sous-sol, on répète l'opération comme sur la map d'avant. Bien évidemment. Et on va amener un 0. C'était du choix assez.
pour aller prendre la formation. Sauf qui va se saisir d'un racal pour aller chercher ses Romains. Ça vous donne un petit insight. C'est un petit conseil de coach Platz. Qui avait remarqué que ses joueurs remet beaucoup. Et donc, le racal serait probablement un très bon opérateur. Et non pas ban, donc effectivement. D'accord avec cette analyse, ça pourrait être bien utile pour un pack. Et finalement, on va essayer de reprendre la hache. Et c'est la fin de semaine. Avec votre travail aujourd'hui, c'est pareil. Je vais dire n'importe quoi. Et bah, c'est pareil en streaming. Excusez-moi. Ça va aller. En plus, vous êtes très nombreux ce soir, ça me fait très plaisir. Je vois qu'il y a du monde pour regarder les exercices. Ça me fait plaisir. Je trouve que c'est pas tant un dead game que ça, même si un petit peu. On va pas se mentir. C'est la blague, ça. Et Extrasic qui, encore une fois, est au pompe. Il est totalement repéré. Et puis, il va réussir. Et Smajo qui va faire le kill sur Brendo. Ainsi qui va réussir à passer dans cet escalier. Vraiment avec un timing de fou furieux. Et Sauce qui n'a pas pu du coup l'attraper. Et ça va être très difficile d'aller le déloger sans stuff. Qu'est-ce que je dis, Otterman? Il suffit d'aller lui coller une petite tête comme ça dans l'escalier. Apparemment, c'est un peu trop avancé. Sa tête devait dépasser, qui a permis à Tarman de venir le chercher. Et là, on a. Au contraire du round d'avant, on a tué déjà beaucoup plus les roamers, même si. Il y a toujours Massanlet qui est au top et qui a fait son kill sur Dennis, qui était venu le chercher. Mais un roamer, c'est déjà beaucoup plus facile à gérer. Peut-être essayer de le laisser là où il est et d'aller faire l'exécution. Un des joueurs qui va venir le tenir, c'est Sauce. Puisque c'est son rôle d'aller chercher les roamers. Finalement il va redescendre, on va aller faire cette exécution du côté de Dufried et Massonnet qui va faire tomber Yuki. Et je pense que Massonnet projet de repartir par l'escalier bas. Malheureusement, mais ça va pouvoir revenge. Mais c'est un jeu qui va encore une fois se faire revenge lui-même. Otterman qui va essayer d'aller prendre le kill sur Apollo et qui va tomber sur une balle dans son bas ventre. Et ça va être le 2-0. Break déjà fait pour les joueurs Fancho qui ont l'air, mine de rien, même si c'est pas la carte qu'ils ont pick, qui ont l'air plus à l'aise sur Oregon pour l'instant. Et nos joueurs qui ont l'air d'être un peu plus compliqués, notamment avec un roaming qui est très 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 efficace de la part des joueurs Fancho. C'est le roaming qui fait vraiment toute la différence. Et on a l'apparition pour la deuxième fois du côté des joueurs Fancho du Fenrir, nouvel opérateur. Son apparition avec ses petits pièges. On rentre dans un range de pièges qui bloque la vision. Donc on va voir si nos joueurs vont payer les frais. En tout cas, vu qu'on a gagné le premier site, et ils ont fait le choix de partir plutôt du côté de la victim room plutôt que de la dining. Choix qui a pas mal évolué ces dernières saisons. On préférait d'abord prendre la dining, puis finalement petit à petit s'est dirigé plus vers un choix meeting group saison après saison. C'est ce qu'ils ont décidé de faire, les joueurs. Aller chercher tout le côté grande tour chambre de la map pour aller jouer probablement la map. Et on essaiera de descendre le côté tout.
enregistrer, évidemment, s'il était d'ailleurs différent. Et là, ce n'est pas le cas. Toi qui a repris. Pour dominer les roamers, et ben c'est le mec qui va tomber. Et c'est lui qui avait été un peu un poison pour les joueurs UDEM, UDEM ETS sur le round d'avant. Plutôt, plutôt bien qu'il soit. Brendo, après avoir vu qu'il avait été repéré par ce racal, va redescendre sur site. On va Apollo dans cet escablon. Attention, il faut absolument avoir l'info de ce joueur, sinon ça sera un free kill tout simplement pour les joueurs. Fuel. J'ai commencé à dire fuel hein, en fin de jour, c'est trop long en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça depuis, je dis pas ça depuis le début. Pour les joueurs fuel. Voilà. En plus c'est leur tag, donc ça marche très bien. Je sais pas pourquoi je complique la vie. Et on va voir Purza sur site. Apollo qui finalement aura décidé de lâcher un peu cet escablant et qui va aller défendre la petite tour. Il y a, comme je l'ai dit, absolument personne. Sauce vient prendre le contrôle de cette attique avec de son camarade de côté grande tour. Il y a une très très avancée, malheureusement il faut faire une tour. Il faudra qu'il reprenne à deux fois, mais finalement il va réussir à faire tomber le Fenrir. Il terminera. On a repéré Brendo qui va être un peu coincé dans cette arrière scène. Il va quand même réussir à prendre son ajo. Apollo qui va être du côté de la cuisine et ça plante pour Otterman après 12 secondes. On a un joueur qui s'avance, Yuki qui s'avance, Denis qui a bien du Brendo et Apollo qui va être un peu tout seul de l'autre côté. On va trouver Yuki, mais qui malheureusement pour lui, je pense, ça va être compliqué de revenir pour deny la plante, voire quasiment impossible. Seconde qui s'égrène. On a repéré le diffuseur. Il va être pris dans le dos par Denis. Et enfin un premier round des joueurs de l'UDEM. Ça fait plaisir. Une très très belle exécution. On est allé chercher les joueurs fuel un par un. On les a tués un par un. C'était très très propre. C'était parfaitement géré. On a quand même eu un free kill en début de round qui a bien aidé, je pense, au déroaming, puisque ensuite Brendo l'a alibi est reparti sur site et ça nous a laissé le champ libre sur un site en entier en fait, finalement. On a pu prendre et planter dessus. J'ai pas mal propre. Peut-être bien trouver leur rythme finalement, les joueurs du MTS là-dessus. Ça, c'est ce qu'on va voir. Si on va revenir à égalité. Pour Zach qui est de retour sur sa clash, ça avait pas marché du feu de Dieu quand il l'avait pris sur la première carte. On va voir. On a quand même bug de drone. Je sais pas si c'est très handicapant. Oui. Après ils ont pas l'air de demander un rios. Ça a l'air d'être parti. Donc je pense qu'on va rester. On va rester quand même sur ce round là. Majo qui va venir s'insérer au niveau de cette grande tour pendant que Denis est totalement de l'autre côté dans le garage. On a l'air de peut-être tester de faire une attaque un peu en tenaille en quelque sorte. Donc on a un peu plus haut évidemment pour
joueur Sul, et j'ai besoin de le mentionner. On a repéré ce joueur Clash. Sauce qui va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ses grenades contre cette Clash. On va quand même être fort fort précis. Ma Sunlet qui vient de frapper pour pouvoir s'échapper s'il est mis sous pression. On rappelle qu'il est capable de l'opérateur de remonter la frappe. On va repérer cette Frost qui tient la tique. Attention au piège, on va pas se faire avoir comme sur la carte précédente. On va avoir Brendo qui va faire le premier kill dans cet escablant sur Sauce qui essaye de s'insérer, je pense. Heureusement, ça ne fonctionnera pas. Et pour l'instant, on a l'air un peu côté IDM. Mazo aussi, mais qui va aussi être des flashs. On a eu sur cette flash. Elle le tuerait. Mazo qui va tomber finalement. Son shield en glace. Denis qui va venir s'insérer. Côté escablant, Apollo qui va venir décaler à l'angle. Yuki va. Finalement, on va repérer une smoke qui ne va pas pouvoir avancer. 15 secondes à jouer, attention, si on veut rotationner, il va falloir le faire très très vite. Yuki qui est low life, s'il se prend des types de dégâts, ouais, il va tomber. Très beau, très beau shot, mais finalement il va tomber face à Brendo. Et ça va faire 3 à 1. Sur le site du premier étage et du basement, ils ont l'air impeccables pour l'instant, les joueurs Fuel. Malheureusement, ça ne réussit pas à nos joueurs du DMETS, même si on sent qu'il y a volonté de faire quelque chose de propre. Malheureusement, les counterplay de la part des joueurs adverses fonctionne très bien. On va encore modifier des choses du côté des joueurs Fuel avec l'apport de cet Arudi. Il va probablement être un petit peu dérangeant pour les joueurs idem. Est-ce qu'ils ont des stuff un petit peu pour les deny, ou ils ont quand même des choses à faire pour pouvoir deny les Arudi qui sont très devant eux. Alors, du mal à placer son alarme de proximité, finalement il va y arriver. On va essayer de le mettre dans le grillage pour qu'il soit moins visible. On va voir si c'est peut-être placé en bas. Alors, est-ce qu'on va essayer de prendre le bleu? Etherman a l'air de vouloir aller y mettre le minimum syndicat de pression. On va quand même, j'ai l'impression, pas extend sur ce bleu. Donc probablement la possibilité de le prendre si on y met un petit peu de ressources. Mais on n'a pas l'air de s'y diriger pour l'instant. C'est ça qui vient nous amener cette Xing très très importante. Il faut qu'il joue très très safe. Pas qu'il se donne. Yuki sur son bureau qui va essayer de prendre le maximum d'informations. Excusez-moi. Et pour l'instant, on est sur une phase de droning, de prise d'informations. On va aller péter cette trappe au niveau de la machine à laver. Qui va venir apporter le duel. Otterman qui gagne son duel face à la Aroni. Je vais dire attention à la petite pièce, notamment un joueur dedans. Ma Sunnet qui vient faire un kill
Brando qui joue très haut dans cet escalier, qui va aller agresser Yuki. Yuki qui s'y attend. Brando. Pour l'instant, il prendra le plus de dégâts. Et finalement, c'est Sos qui va venir le tuer. 3v3 avec la prise bleue, la prise de l'escalier. Masonlet, il faut pas qu'il puisse revenir dans le dos de Dotterman, ça serait très très dommageable, surtout d'autant plus que c'est lui qui a le diffuseur, donc si c'est un joueur qui revient dans son dos, le round sera complètement. Alors ça donne quoi? Ça donne qu'on a perdu la première carte sur le score de 7-5, donc très serré, mais que là c'est la carte des joueurs de l'UDEM, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant ils sont menés 3-1, mais c'est loin d'être. C'est totalement blanc. C'est ça qui s'est envoyé. Sauf qu'il va faire un premier kill. Malheureusement, qui se fera revenge par Apollo. On va plus avoir que Yuki. Qui va essayer de faire quelque chose. Mastonnet qui a fait le kill qu'il devait faire, malheureusement. On va rentrer pour Yuki. 13 secondes à jouer. Il faut aller jouer les joueurs un par un. Aller les chercher. Le premier, est-ce qu'on va prendre le deuxième? On sait pas où il est et il va être décalé, malheureusement. Et je vois des shrimps dans le chat. Alors, ça, vous pouvez pas comprendre puisque c'est une private joke. Mais général, je t'ai compris. J'ai compris les shrimps. Merci d'être là. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait très plaisir que tu sois venu. Et installe-toi, même si l'équipe que je commente pour laquelle je stream est en train un petit peu de perdre. Eh bien, ça me fait très plaisir que tu sois là. Et ça va être le score de 4-1. Alors, je vais pas vous mentir que si on finit sur un score de 5-1 sur le premier site, ça serait vraiment compliqué de revenir. Loin d'être impossible, évidemment. Pas une map très attack side, mais sur un score de 5-1, c'est toujours très compliqué de revenir. Donc il faudrait au minimum. On sent que les rounds sont souvent très serrés. C'est fini sur un 1v1 dans les dernières secondes sur le round d'avant. On est bien, c'est l'exemple parfait. Mais on espère quand même. Cette fois-ci, si R1 il y a, il sera à l'avantage de mon joueur. Je dis pas non, hein, perfect, hein, évidemment. En tout cas, on a encore une fois un roaming très présent. On a décidé cette fois-ci, pour me couper, je disais plus tôt, de prendre la dining. Je pense que c'est aussi pour les surprendre au maximum. On a Yuki qui vient mettre des dégâts sur Extrasic. Ella, je pense que au vu du pseudo, carrément étonné même qu'il n'ait pas joué Ella plus tôt. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et Denis qui vient tuer cette Ella. Qui vient terminer le travail que Yuki avait entamé. Il va quand même réussir à s'en sortir et qui va faire douter les joueurs qui auraient pu revenir sur ceux qui attaquent qui tournent, même si Smajo va venir se donner sur le joueur qui est devant, malheureusement. C'est dommage d'aller l'agresser. Hein. Otterman qui va peut-être avoir Brando qui va aller le piquer. Il va falloir être solide sur la ligne. On a Yuki qui va venir aider Denis. Qui va mettre encore une fois des dégâts. Qui met beaucoup de dégâts mais qui ne tue pas sur ce round. C'est terrible. Il s'attend à un joueur dans son dos. Il peut, à tenir.
et Dennis qui va tomber. Il va rester en vie très longtemps. Sauce qui va tomber de l'autre côté, malheureusement. Et on va finir sur 2 kills très rapides. Là, 5 à 1. 5 à 1. Très. Ça va être. C'est un score compliqué. C'est un score fort compliqué. Une map beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus beaucoup moins serré que la première. Ben merci d'être venu. Alors juste, je ne sais pas qui tu es, donc parce que j'ai un pseudo, mais moi je connais. Alors pour la petite, baisse un peu le son du jeu et monte ta voix. Mais c'est déjà ce qu'on m'a dit plus tôt. J'ai fait que monter le stream. Normalement ça devrait être mieux là. Tu pouvais te donner ton prénom au chat, envoyer un DM sur la chaîne de l'UDM pour vous donner ton prénom. Puisque je ne sais pas qui c'est, du coup je suis curieux. Puisque la blague des crevettes, c'est juste une qualité du temps de mon travail. Je leur avais donné le lien du stream. Des crevettes en fait, c'est vrai que c'est bon. Du coup, si tu peux me. Qui c'est ? Je suis curieux. Voilà, pardon, excusez-moi. Petite aparté. On est parti sur la première attaque des joueurs. Fuel. Qui a commencé par droner cette grande tour. Avec Yuki qui va être pas mal repéré, je pense. Il va y avoir Massanet qui va venir le jouer en rappel. Yuki qui va être joué. Et ça va être Massanet qui va s'imposer. Massanet qui est déjà en 6-2. Apollo qui est en 9-3, Apollo qui était un petit peu en défaut. J'ai perdu espoir sur ce sujet depuis quelques temps. Eh hey, oui mais j'ai augmenté le son de ma voix quand tu me l'as dit. Je fais mon maximum. Mais apparemment je faisais pas assez. Donc excusez-moi. Je vous promets que ce sera mieux pour le prochain. Ce sera beaucoup plus. On va dire ces choses là. J'ai pas eu le vraiment le. J'ai pas pu garder mes réglages que j'avais dans les précédents. Oh là 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 là. Il est efficace là pour les joueurs idem. Arrivé sur le premier perfect et non Otterman qui vient quand même rétablir l'honneur. Qui va venir faire une planteur, qui va venir faire un triple kill. Attention, le quad kill. Otterman qui donne, s'attend pas à son joueur dans le dos, c'est dommage. Il en avait fait 4, il allait faire le 1v5. Oh, j'y ai cru tellement fort quand il a commencé à les enchaîner. Oh non, non, c'était si proche. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait un joueur dans son dos. Ah, la déception. Et ça vient offrir la balle de match au joueur Fuel. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Ah là, ça les a... c'est sûr, ça les aurait relancés. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Un V5, ça arrive très peu de fois. Je serais même étonné si on en avait un durant toute la saison. Quand même, saluer la performance d'Otterman qui était à deux doigts de le faire, il pouvait pas s'attendre. C'est assez compliqué. Qui attendre. Donc ça fait 6. Après, on les connaît nos joueurs idem, en tout cas des autres équipes. Pour dos au mur qu'on commence à remonter. Est-ce qu'ils vont faire honneur aux équipes Rocket League et Eric, je m'en doutais un peu. Eric, merci. Merci. Donc oui, je disais, faire honneur pour ceux qui connaissent à la team 4 de Rocket League,
en début d'année scolaire dernière, à la session d'automne, ou alors à nos chers joueurs de l'équipe CSGO qui reviennent à chaque fois d'outre-tombe. On va voir si ça va être la même chose pour nos joueurs Rainbow Six. Ce serait une belle histoire, mine de rien, mais bon, faut aller le gagner ce match-là. Dans Rainbow Six, il n'y a pas d'histoire d'économie comme ça peut être le cas dans Valorant ou dans Counter-Strike. Il n'y a pas de reset mental comme dans Rocket League, on peut les prendre les matchs un par un. On peut prendre les rounds un par un, mais c'est un peu plus compliqué. Mais il y a toujours moyen de remonter. Il suffit juste de trouver ou appuyer pour que ça fasse mal aux adversaires. Et on prend déjà ce premier kill, le Smajo, qui vient directement prendre cette grenade envoyée. Yuki qui vient faire le deuxième kill sur Extracite. Allez, c'est bien parti là, ce round là. On finira pas sur un 7-1. On n'en a pas l'intention pour les joueurs de l'UDM, mais on va commencer à remonter. Petit à petit. On va aller chercher cet overtime. C'est l'important. La Sunlet qui a pas l'air de s'attendre parce qu'il y a un joueur très haut dans cet escalier. Nice qui a une très bonne ligne. Même si ma Sunlet a l'air de pas vouloir s'avancer pour l'instant. Il attend le drone. Denis qui va être préparé, qui va un petit peu redescendre. Il va prendre des infos sur ses adversaires. Massenet qui va descendre. Et Denis qui n'arrivera pas à faire le kill malheureusement. Qui mettra cependant Massenet de life et qui permettra à Yuki de le terminer. Même si de toute façon c'était dans la tête. Donc ça n'a pas changé grand chose. Et Enterman qui vient tuer Apollo, qui venait faire des petites phases d'éclat. Il ne reste plus que Purza au top. Un petit peu compliqué. Je pense que l'idée est de tenter un drop trap. Et Sos qui va l'entendre, mais ça va être Enterman qui va le tuer. Sos qui a essayé de lui mettre un gros flick shot, mais finalement c'est Enterman qui lui mettra ce flick shot. Et on revient 6 à 2, petit à petit, comme je vous l'ai dit. On va aller chercher les rounds un par un. On va remonter. Et on va aller chercher cet overtime. En tout cas, on va faire le maximum pour aller le chercher. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous proposer de la part des joueurs UDEM? On vient nous proposer un Capcan, très intéressant le Capcan, ça peut être dévastateur si c'est bien tenté. Attention, on a eu le round où la Frost avait fait des dégâts, et là ça va peut-être être ce Capcan qui a fait ces dégâts là. Attention tout de même à ce glace qui a été apporté pour les joueurs Fuel. Extratic qui va apporter un Maverick. Je sais pas où il va être utile son Maverick. Sur le site. Sur le mur. Sur le mur Attic. Merci Place. J'ai totalement occulté cette partie-là de la map. De mon esprit, oui, évidemment, ça va être pour ouvrir ce mur là. Je me suis rendu compte de la bêtise que j'ai dite au moment où je l'ai dit. Et ma Sunlette qui va aller l'épauler pour jouer la ligne de loin une fois que ce mur sera ouvert. Qui a décidé de jouer son glaze sans sight à la mire. C'est assez rare pour être souligné. Une préférence du joueur là. De jouer son glaze comme ceci. Mais intéressant. On va voir Denis qui va être
dans cette salle de réunion qui va essayer de jouer un peu la trappe par en dessous. Je pense. Alors, beaucoup de joueurs en roaming, mine de rien. Si les joueurs. Denis qui va faire son kill. Si on décide d'attaquer frontal pour les joueurs refuse, ça peut être terrible. Attention. Sauce d'énormes dégâts qui a tombé finalement. Et on a pris le contrôle de la tique. Attention, c'est très dangereux. Une fois qu'on a pris le contrôle de la tique, on peut très vite arriver sur le site. Massanet qui va faire tomber en plus de ça Yuki. Otterman qui va essayer de prendre un kill, qui va faire tomber. Il va faire tomber Brendo qui va essayer d'en enchaîner un deuxième, mais il aura et il ne restera plus que Denis qui va faire un premier kill, qui va faire un deuxième kill et qui fera pas le quatrième. Encore une fois, 1v1 perdu. Ah non, non, c'est un trade. C'est un trade. Ils ont gagné. J'y crois pas. Ça, si c'est pas un signe du destin, c'était un trade. Je me disais aussi que le viseur avait l'air d'être pas mal sur lui. C'est un trade. Alors, si vous ne savez pas, dans Rainbow Six, quand il y a un trade, eh bien, tout simplement, c'est l'équipe de défense qui gagne le round, excepté si l'équipe d'attaque a posé le désamorceur. Alors, si les deux derniers joueurs s'entretuent, dans ce cas-là, c'est l'attaque qui gagne. Mais sinon, ça sera toujours la défense qui gagnera ces rounds là quand il y a les deux derniers joueurs qui s'introduisent. Et ça va être encore la survie des joueurs UDM ETS. Ce round là sur le fil, 1v1 qui cette fois-ci part à leur avantage. Très très beau clutch en fait de Nice. Bravo à lui, parce que du coup j'étais un petit peu sur le trade de fin, mais Denis qui va nous faire un 1v3 si je ne m'abuse. Donc bravo, très très beau clutch, ça fait plaisir. Denis qui vient topper le scoreboard. Et du côté du joueur, le joueur qui top le scoreboard, c'est Apollo. N'était pas très en forme d'ailleurs sur la première map, comme quoi, comme je vous disais, on peut faire une première map assez moyenne et totalement être un peu sur la donc plaisir de voir des joueurs qu'on n'avait pas forcément vu sur la première map un peu s'exprimer. Ça va être une attaque kitchen salle de réunion. On va bien sentir ce fuel. Venir mettre ce qui va être détruit par la C4 de Smajo. Poser le deuxième, mais c'est Majo qui a profité du son d'explosion pour totalement sans aucun bruit, mais il va quand même tomber parce qu'on s'y attendait un petit peu malheureusement du côté fuel. Et on va essayer de venir faire tomber ce castle. Là ça va être compliqué parce qu'il n'y a plus personne dans la salle de réunion. Aller mal empêcher Denis qui va venir tomber en plus sur une très bien placée et tout ça qui va venir planter dans la défense. Attention, Otterman qui vient de faire un premier kill, un deuxième double kill d'Otterman. Est-ce qu'il va pouvoir encore nous gratifier d'une action individuelle de folie? Est-ce qu'on va voir? En tout cas là il faut avancer. Sauce de continuer à jouer le Maverick. Va venir dropper.
Et là, il va falloir y aller. Ouais, malheureusement, la cover ne peut pas être présente. Et les Fuel vont gagner ce dernier round sur le score malheureux de 7-3. Aïe, aïe, aïe. C'est la défaite. 7-3 sur cette map. 7-5 sur la première. Malheureusement, premier match de saison perdu pour nos joueurs. Premier match de saison perdu. Quel dommage. Quel dommage, mes amis. Ça aura quand même été un beau match. Ça aura pas été. C'était loin d'être un stomp, hein, on va pas se mentir. C'était quand même un très beau match. Malheureusement, ça se termine sur une défaite 2-0. Ça sera pas ce soir le premier 2-1, le premier 3 cartes. Mais écoutez, c'est la vie. C'est la vie. On rappelle quand même que cette team s'est créée il y a à peu près 2 semaines. Le premier meet-up entre eux, c'était il y a 1 semaine. Donc, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, excepté un petit scrim hier. Et encore, ils n'étaient pas tous les 5. Il y avait quelqu'un pour remplacer. Remplacer Smajo, si je dis pas de bêtises, qui était indisponible. Donc voilà, ne leur en tenez pas rigueur. Je vous le dis, sur ce premier stage qui se finit, je vais aller vous chercher la petite info. Bon, je l'ai pas là, mais attendez, je vais vous dire ça. Forcément, ils n'ont pas publié les dates. Donc voilà. Donc ce premier stage qui se finit, la saison régulière qui se finit le 2 juillet. Déjà, vous voyez qu'entre le 9 juin et le 2 juillet, il y aura déjà une bonne évolution d'un mois. On va voir l'évolution semaine par semaine. Semaine après semaine, ça devrait être déjà beaucoup mieux. Il y aura 4 matchs de saison régulière. Donc voilà, 4 matchs pour aller chercher des victoires. S'il y a qualification en playoff, ça se jouera du 3 au 9 juillet. Et surtout le stage 2, qui commencera juste après. Où là, je pense qu'on aura... Excusez-moi, pardon. On aura déjà une équipe déjà qui sera un peu plus expérimentée, qui aura l'habitude de jouer ensemble et qui pourra faire des choses. Alors au moment sur le stage 1, ça me paraît un peu compliqué. C'est une équipe encore très jeune et je vous le dis, qui a moyen de faire de belles choses, mais pas tout de suite, puisqu'il faut d'abord trouver la petite alchimie. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux. On a été en moyenne plus de 20 pendant tout le stream. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés pour regarder du R6. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là pour regarder mes casts. Donc voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci à tous d'avoir été là. Je vous aime. Et on se dit sûrement à la semaine prochaine pour le deuxième match. Ciao tout le monde.